Hello! Aujourd'hui, je vous retrouve pour un bilan d'année 2019. On va revenir sur ce que j'ai le plus apprécié culturellement cette année-là et on va commencer avec les films. Alors, en 2019, j'ai vu en tout 65 nouveaux films. Et j'en ai revu... J'ai marqué 28, mais j'en ai revu plus à mon avis. Dans ces 65 films découverts, on en a 19 que j'ai été voir au cinéma, dont un que je suis allée voir deux fois. Il y en a 15 que j'ai vu sur Netflix, il y en a 11 qui sont des films d'animation, et il y a tout le reste, c'est-à-dire ce qui ne rentre dans aucune de ces trois catégories, qui représente 21 films. Je vais donc commencer avec mon podium consacré au cinéma. J'ai vu que 19 films cette année, donc c'est pas énorme, c'est clair. Mais bon, on fait comme on peut, et puis de toute façon, ce sera un top 3 des films que moi j'ai vus, donc c'est mon podium au final. En 3ème place, je vais placer le remake d'Aladdin. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, Disney c'est pour moi une des meilleures réussites de la franchise en 2019. Donc je vais pas revenir sur pourquoi je l'ai aimé puisque j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais en tout cas, pour résumer, pour moi c'est un des meilleurs remakes Disney, si ce n'est... peut-être le meilleur, pour l'instant. La médaille d'argent, je l'attribue à Rocketman, qui est donc le biopic sur Elton John. Pourtant, je ne suis pas une fan d'Elton John, franchement, avant le film, je savais qui c'était, évidemment, mais pour moi, voilà, c'était le mec qui avait bossé sur des musiques du Roi Lion, qui jouait du piano, qui avait des lunettes, et puis voilà. Mais ce film m'a fait vraiment découvrir un personnage que j'ai adoré, et qui m'a juste énormément touchée. Le film en lui-même est vraiment super bien monté, que ce soit la mise en scène, les plans, les décors, les costumes, tout est absolument exceptionnel et tout est bien narré d'une manière intelligente. Le film s'ouvre en plein dans l'action sur une scène en particulier, ensuite il nous raconte son histoire du début à la fin, et à la fin on revient à ce fameux moment pour conclure l'histoire. Mais la leçon qu'on peut tirer de ce film, elle est juste waouh, elle m'a touchée en plein cœur. J'ai vraiment été raccord 100% avec ce que le film fait passer, avec le personnage d'Elton John que j'ai trouvé exceptionnel. Je ne connais pas assez bien le vrai Elton John pour comparer, mais en tout cas l'acteur qui l'a joué dans ce film-là était juste mais incroyable. Il a tout ce côté intimiste qui m'avait manqué dans Bohemian Rhapsody en fait. Pour moi, c'est une grande biopic sur un grand personnage et avec une très grande réalisation. Et du coup, mon meilleur film vu au ciné en 2019, c'est clairement Joker. De base, je pense que je serais jamais allée le voir si j'avais pas entendu d'aussi bonnes critiques dessus. Et du peu de ce que j'en lisais, c'était un vrai film psychologique et c'est ça qui m'intéressait. Et le Joker, franchement, j'ai jamais été fan de ce personnage. J'ai vu les Dark Knight, hein, l'acteur est pas mauvais, mais franchement, contrairement à beaucoup de gens, ça m'a jamais marqué plus que ça. Enfin, pour moi, voilà. Du moins au cinéma, parce que je connais pas la version comics. Et là, j'ai enfin trouvé mon Joker. Clairement, le Joker de Joaquin Phoenix, je l'aime. Le film a un contenu vraiment sombre et mature. C'est une vraie critique, chronique sociale, entre guillemets. Un vrai et pur thriller psychologique. Qu'on soit fan ou pas d'univers de super-héros, ça n'a aucune importance. C'est super intéressant à voir. Même si, évidemment, il y a des références à Batman, à l'univers de Batman. C'est pas le plus important, mais d'un autre côté, ça reste quand même vachement lié à Batman. Et j'ai bien aimé comment ils ont amené l'histoire du film Joker dans l'univers DC, du coup. Ils ont vraiment réussi à faire un film relativement sombre et intéressant. Un vrai film d'ambiance également. Tout dans ce film est grandiose, y compris la bande-son, les décors. Joaquin Phoenix est un Joker absolument excellent, marquant. Il a tellement bien joué son personnage, à la fois mangé par des troubles psychologiques auxquels il ne peut pas échapper, et sa condition sociale qui ne fait qu'en rajouter. Franchement, j'ai trouvé ça que c'était vraiment vraiment fort. Et la manière dont le film tourne, c'est juste une déchéance, mais... puissante, hyper immersive, et franchement c'est fascinant. Les films d'action pour l'action, vous savez que c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ça qui m'intéresse. Là il y a quasiment pas d'action. Et tout est dans l'atmosphère, dans le jeu d'acteur, dans la tournure des événements, dans la psychologie des persos, donc pour moi c'est amplement suffisant. Et avant de passer au prochain podium, je voudrais faire une mention spéciale à un film qui n'est pas sur le podium cinéma, mais franchement il m'a tellement bluffé que j'ai envie de vous en parler. C'est Dora et la Cité Perdue. Franchement, mais qui attendait quelque chose de ce film? Je pense qu'on s'est tous moqués du projet quand on en a entendu parler, mais après avoir vu Détective Pikachu, je me suis dit qu'il y avait peut-être une chance que ce soit un remake de trucs pour enfants qui aille dans cette veine-là. Du coup, j'ai fini par y croire et je me suis dit, en fait, je suis sûre que ça va être super bien, on va tous être sur les fesses. Et franchement, eh ben ouais, c'est super bien. Ça reste un film pour enfants, adapté d'une série pour enfants, hein. Il y a des clichés, etc., des facilités et compagnie. Et même, ils ont réussi à tirer quelque chose de Dora l'exploratrice. C'est quand même super fort. Il y a des petits clins d'œil en plus au dessin animé, des petits passages qui s'en moquent un petit peu, et ça, j'ai trouvé ça super drôle. Mais ça prend pas toute la place du film, c'est juste un peu au début. Après, le film s'émancipe vraiment avec sa véritable histoire. Même adulte, moi, j'y ai pris plaisir.
Tant j'ai trouvé que la réal était nickel, que les acteurs principaux avaient bien joué, on sent que c'est une fois encore un remake qui a pas été pensé avec les pieds et qui, pour moi, je pense qu'il a vraiment été fait avec passion et avec sérieux parce que ça se ressent. Rien que pour ça, j'ai envie de lui tirer mon chapeau. Franchement, j'ai passé un super moment et je vais me l'acheter quand il va sortir. Bravo! On passe au podium Netflix. En troisième place, j'ai envie de mettre deux films ex aequo parce que j'arrive pas trop à les départager. D'un côté, vous avez Breakfast Club, qui est un vieux film pour ados des années 80, assez connu d'ailleurs, il y a beaucoup de films d'aujourd'hui qui en font référence. Le film est un peu vieillot, certes, mais au final, je trouve qu'il est un petit peu intemporel dans les messages qu'il veut faire passer. Enfin, pas dans tous, mais dans la plupart. Les personnages finissent par être assez attachants. Je retiens surtout le perso le plus marquant, c'est lui. Je vais lui mettre une photo parce que j'ai totalement oublié son nom, mais franchement, waouh, quel personnage. C'est pas mon préféré, mais je reconnais qu'il est super marquant. Pour moi, c'est vraiment un bon film d'ado de l'époque. Et de l'autre côté, vous avez Me and Earl and the Dying Girl, dont j'ai oublié le nom original parce que ce titre est un petit peu space. C'est un teen movie, une fois encore, que j'ai beaucoup aimé. On pourrait croire que c'est l'énième romance pour ado avec une fille malade, mais pas du tout. Il n'y a pas de romance, il me semble, dans ce film-là. C'est juste une belle histoire d'amitié. Et il y avait aussi dans la réalisation un petit côté film des années 80. Il y avait une petite vibe et quelques petits clins d'œil par-ci par-là que j'ai trouvé vraiment cool. Ça faisait pas film pour ado d'aujourd'hui. Et pourtant, ça restait dans la continuité de certains films aussi récents. Donc vraiment, c'est un petit ovni, je trouve, dans le genre. La médaille d'argent, je la décerne au film de Brie Larson et avec Brie Larson, Unicorn Store. Très beau plaidoyer sur la relation qu'on a avec notre enfant intérieur. Et moi, à la fin, j'ai versé mes larmes, clairement. Alors oui, le film est barré, mais c'est ça que j'ai bien aimé. Mais pour les rêveurs et les créatifs ou ceux qui sont très dans l'interprétation ou le symbolisme visuel, je pense qu'il a vraiment une grosse chance de vous plaire. Moi, j'ai vraiment adoré le message qu'il y a derrière. Et Brie Larson est une super actrice, hein, Samuel L. Jackson aussi. Ça fait un petit peu film indépendant, ce qui au final il est en fait. Et la médaille d'or, je la décerne à un film que j'ai vu il y a juste quelques jours à peine, vraiment dernier visionnage de fin d'année. C'est Marriage Story, le fameux film avec Adam Driver et Scarlett Johansson. C'est un film un peu dramatique qui nous parle d'un couple qui va divorcer. C'est un film qui nous parle de l'étiolement des relations, et on est vraiment plongé dans le divorce de ce couple avec un enfant, et on voit à quel point le divorce, mais que ce soit de manière émotionnelle, mais même aussi juridique, administrative, sociale, enfin tout ce que vous voulez, c'est éprouvant, c'est long, c'est fatigant, et waouh quoi. Que ce soit Nicole ou Charlie, mais l'un comme l'autre, moi c'est deux persos que j'ai trouvé vraiment adorables et super cool. Et selon le point de vue qu'on adopte, ou l'évolution de la situation, moi il y a parfois je me disais, ah mais c'est pas vrai, ça se fait pas, Nicole elle est super chiante. Et à d'autres moments, au contraire, je me disais, non mais attends, c'est pas possible, là c'est Charlie qui est super chiant. Mais ce film, mais vraiment, c'est des ressentis personnels en fait, qu'on a en voyant le film, parce qu'en lui-même, le film est vraiment super neutre, il prend pas le parti de Nicole, il prend pas le parti de Charlie, il nous fait aucune morale sur le divorce ou sur les couples, rien du tout, il ne fait que montrer. C'est pas un divorce qui se passe mal, il faut pas croire ça, mais c'est pas non plus un divorce qui se passe bien à 100%, en fait, c'est vraiment dans l'entre-deux, il y a des moments où ça va bien, il y a des moments où ça va pas. Il n'y a qu'une seule scène de dispute dans ce film, mais waouh, quelle scène, c'est une vraie dispute. C'est pas une dispute de film, c'est pas une dispute cliché, c'est une vraie, vraie dispute qui part d'une scène où les personnages sont très calmes, très posés et qui finit dans des éclats, des hurlements, mais waouh, la montée crescendo du truc quoi, mais pff. En plus tout est toujours filmé, il n'y a quasiment pas de cut, on est vraiment immergé dans le film. Et puis Adam Driver et Scarlett Johansson, je veux dire, leur talent d'acteur est plus approuvé, mais dans ce film-là, c'est encore pire, hein. Enfin meilleur. Ils m'ont vraiment beaucoup marqué. J'ai vu ce film il y a 4 jours et j'y pense encore. Vraiment, j'y pense encore. Il y a des scènes qui sont très longues, voire presque ennuyantes, limite t'écoutes plus que disent les personnages. Mais pour moi, c'est ce qui participe à le rendre génial, parce que ben c'est comme le divorce, ça s'étire. Du coup, dans ce film-là, d'avoir choisi ce procédé de montage, et ben ça rend très bien. Ils ont vraiment aussi pensé à raconter l'histoire visuellement avec des décors super neutres. À partir du moment où les persos commencent à divorcer, qu'il n'y a plus rien entre eux, tu vois les décors de plus en plus blancs, gris, beige. Parfois, ils sont très proches, à d'autres scènes, ils sont très éloignés. Ou alors, il y a un objet qui les sépare. Enfin, franchement, tout est super bien pensé dans ce film. Et waouh, franchement, quel film. Je m'en remets pas. Franchement, un chef-d'œuvre, un vrai chef-d'œuvre. On passe au podium animation. En troisième place, je pense que je vais mettre La Reine des Neiges 2, qui reste pour moi une très bonne suite de La Reine des Neiges, que je préfère au premier volet. Mais une fois encore, je vais pas trop me répéter, puisque je vous ai fait une vidéo consacrée à La Reine des Neiges 2. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé cette suite, elle est pas parfaite, mais franchement, elle est pas mal.
En deuxième position, je vais mettre Tous en scène, qui est sorti, je crois, il y a un an ou deux, mais que j'ai vu seulement cette année. Et franchement, mais pourquoi j'ai pas vu ce film plus tôt ? Il est vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Déjà, je me suis grave retrouvée dans le personnage principal. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le... celui, en gros, qui veut monter son théâtre, quoi. Mais même les autres persos sont tous super attachants, super drôles, super fun. Ils ont tous vraiment leur histoire, leur vie de famille, et c'est ça qui les rend super cool. Mais ils ont tous cet amour en commun pour la musique, et ils ont tous une voix à faire entendre et à exprimer. Humour, émotion, tout ce que vous voulez. Évidemment, musique, les numéros sont super top, la réalisation est super top. Franchement, ce film envoie du pâté, c'est un super film d'animation. Je vous invite vraiment à le regarder, vous allez normalement passer un super bon moment. Et ma médaille d'or, je l'attribue à Spider-Man New Generation, que je n'ai vu que cette année, même s'il est sorti en 2018. Quand je dis cette année, je veux dire 2019, hein, on s'entend bien. Je ne suis pas spécialiste de l'univers de Spider-Man, pourtant, voyant ce film d'animation, j'ai pas pu m'empêcher de me dire « Waouh, c'est quand même un super bel hommage à tout l'univers de Spider-Man, tout le Spider-Verse justement. Une vraie déclaration d'amour en quelque sorte que le réalisateur a fait. Il y a vraiment une histoire super intéressante, super sympathique, les personnages aussi sont super cool et j'ai vraiment adoré l'esthétisme qui clairement change. Alors au début j'ai eu un petit peu de mal parce que j'avais l'impression que c'était pas super fluide en fait au niveau des personnages, de leur visage, etc. Et ça me déplaisait un petit peu. Finalement j'ai réussi à passer outre et à vraiment beaucoup apprécier le film qui a un esthétisme vraiment différent, des idées vraiment intéressante, c'est un mélange entre animation et vraiment du comic strip papier pur et dur et je trouve ça vraiment cool. J'ai adoré voyager à travers le Spider-Verse et découvrir tous ces Spider-Man. J'ai bien aimé les liens qui sont faits aussi entre quelques Spider-Man que moi-même je connais. Il y a de l'humour, il y a un peu d'émotion aussi, enfin voilà. Pour moi c'est un film d'animation vraiment super réussi qui mérite amplement son succès. Que vous soyez fan ou non de Spider-Man, franchement je pense qu'il vaut le coup d'être regardé. Et on termine avec mon top 5 général qui va réunir donc les 5 meilleurs films que j'ai vus en 2019, toutes catégories confondues. Dans le lot, il y en a 3 dont je vous ai déjà parlé avant et 2 bah, dont je vais vous parler maintenant. D'ailleurs, on commence avec la 5ème place que j'ai attribuée au film Avant toi avec Emilia Clarke et Sam Claflin. Quand cette comédie dramatique slash romantique est sortie, elle me faisait envie. Mais voilà, j'avais d'autres choses à aller voir au cinéma. Le cinéma dans ma ville, ça coûtait cher, donc j'allais voir un film par mois, et encore. Mais j'en ai entendu que du bien depuis qu'il est sorti, et franchement, je confirme que ce film est vraiment magnifique. Pour moi, c'est une vraie comédie romantique que j'ai trouvée très sincère et touchante, et pas du tout niaise. Les personnages sont juste adorablement attachants, même si au début j'ai eu un peu de mal avec le mec, je sais plus comment il s'appelle, mais on finit par mieux le connaître et au final ça passe. Par contre, j'ai adoré Lou dès le départ, cette meuf c'est une de mes héroïnes de fiction préférées, je pense, elle est juste tellement inspirante, chaleureuse, mignonne, gentille, tout ce que vous voulez. Mais plus qu'une comédie romantique, pour moi ce film c'est une véritable leçon de vie, c'est vraiment une petite claque du cinéma que je vous invite à découvrir. En quatrième position, je vais mettre une comédie musicale que j'ai trouvée, mais tellement pétillante et chaleureuse, un vrai concentré de vitamine D. C'est solaire, c'est drôle, c'est émouvant, c'est fun. On est vraiment dans les good vibes et les bons sentiments, mais en même temps, mais j'ai pas trouvé ça niais. Parce que niais, ça sous-entend que le film est stupide, et moi j'ai pas trouvé stupide du tout. Depuis tout à l'heure, je vous parle de Mamma Mia. Oh, mais j'adore, vraiment, j'adore. C'est une comédie musicale, mais tellement et purement feel good. Alors là, l'effet est garanti, ça met de bonne humeur. Et waouh, le tout accompagné des chansons d'ABBA qui sont elles aussi solaires et vitaminées pour la plupart. Et croyez-moi, il n'y a pas besoin d'être fan d'ABBA pour voir ce film à mon avis. Les acteurs sont incroyables aussi, enfin en même temps j'ai envie de dire Meryl Streep, Amanda Seyfried, franchement, casting 5 étoiles. Alors il y a quelques clichés de comédie musicale dans la mise en scène, mais j'ai trouvé ça drôle justement. Si vous voulez être de bonne humeur, vous remonter le moral, reprendre une petite dose d'été, de chaleur, vraiment regardez Mamma Mia, clairement. En troisième position, je vais placer le remake d'Aladdin, donc de Disney, dont je ne vais pas vous reparler, évidemment. En deuxième place, je vais rester sur Rocketman, et la médaille d'or revient une fois encore à Joker, qui reste, je pense, mon meilleur visionnage de 2019. Quoique Marriage Story aurait pu aussi avoir la première place ou la seconde, enfin c'est compliqué. Voilà, c'est deux films relativement différents, c'est complètement incomparable, mais bon. Voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter. Du coup, si on a des visionnages en commun, n'hésitez pas à me dire lesquels, et... si au contraire il y a des films que j'ai cités que vous avez pas aimé, ben vous pouvez me le dire aussi. Je suis ouverte à la discussion et je suis très curieuse d'entendre aussi ce que vous avez à dire et ce que vous avez pensé. En tout cas, dites-moi vous quel est le film que vous avez préféré en 2019, au moins ça j'ai envie de le savoir.
Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que le principe vous a plu et que vous serez au rendez-vous en 2020 sur cette chaîne. Moi, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une bonne année 2020 et je vous dis à très bientôt. Ciao !